Rouge. Le rouge, bien, bien évidemment, les amis, c'est parti. Ça va frapper sérieux. Deux clients. C'est là-dessus le retour. Merci, la régie. Allez, c'est parti. Je crois qu'il s'appuie sur des règles officielles d'un grand streamer. Je sais plus c'est qui. Hein. Il stream bien en ligne sur Twitch. Et donc, allez, les excuses de sac commencent déjà. C'est sur un quota de 150, je constate. Donc, j'appelle de nouveau la régie pour venir changer ceci, s'il vous plaît. Quota 200 et 3 rounds, je crois, miroir. Hein, c'est ça. Hein. Donc, un technicien de surface est appelé pour régler ce problème. Ready? Merci. Go. Donc, bien évidemment, Wander a sorti sa carte piège. Excuse de sac, quota. Imura, il fait genre, mais il est concentré, hein, comme d'habitude. Donc, c'est des gars qui ont l'habitude, ils jouent online. C'est un très grand réseau Twitch. Donc vous pouvez déjà faire un petit peu semblant de jeu, les amis. Hein. Donc c'est un puzzle game qui se joue de façon verticale, où il faut effectivement effacer des boules, au minimum 3, 3 ou plus. Nous avons sur le terrain de jeu des boules bonus qui permet d'effacer l'ensemble des boules de même couleur. Voilà le magicien de l'arcade qui fait son apparition pour la technique Fredo. Allez, Wander, il a droit à un petit massage tahitien ou guadeloupéen, je sais pas. Restons sérieux, messieurs. Ready, go. Voilà, merci Fredo pour ton intervention généreuse. Tu as droit à un kebab sauce mayo. Allez, c'est parti, on part sur des règlements online, FightCAD. Je reconnais magicien en premier. Allez, c'est parti, magicien quota pattern qui attaque vers le milieu. Allez, c'est parti, il met directement la grille de jeu vers le milieu. Imura qui se trouve à droite. Donc là, je rappelle ici, pour gagner, il faut aller trouver les boules de couleur, les rassembler, essayer de faire un maximum de dégâts qui lui accorde des attaques de ligne. Donc là, je vois qu'il ramasse de façon intelligente afin de gagner ce qu'on appelle au fond un quota. Donc on constate au milieu, effectivement, qu'il y a des chiffres. C'est ça qui doit arriver à zéro. Et ça va très vite, il aura en difficulté, il faut nettoyer. Aïe, 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 la pression de Wander, et on voit bien qu'il a fait un stage avec un grand joueur, je ne sais plus son nom. Je crois qu'il commence par B, mais voilà, on va rester là, ça ne nous regarde pas. Donc le gars, Wander, il roule tel un M chinois. Voilà, fais pas lâcher le moral, défends-toi, montre que t'es un champion en ligne.
Voilà, ça va, ça gère au niveau du haut de la grille de jeu. Franchement, c'est bien. Il mourra en difficulté. Et il faut l'encourager, là, s'il vous plaît. Il mourra, c'est un client, hein. c'est un des champions en ligne. C'est un sérieux client, donc ne relâche pas. Brûle ton cosmos, ce chevalier. Ne lâche rien. C'est que deux rondes d'avance. Mais Wonder, grâce à ses stages en ligne, continue de dérouler. Allez, vous nettoyez. Oui. Ah, en difficulté, c'est compliqué qu'on n'a pas la manette Xbox 360. Hein. Est-ce que c'est en FT2? Est-ce qu'on counterpick, messieurs? Imura est counterpick, il a le droit. C'est Wonder. 1-0 pour Wonder à gauche, en PA. Ready? Go! Vamos! D'accord. Ah ben on me sauve que c'était Imura à gauche. Et moi je pensais que c'était Wonder. Autant pour moi. Autant pour moi. Je me disais bien que c'était pas normal. Il y avait un souci. Ne restez pas. Ne te déconcentre pas, Wonder. Ne lâche rien. Je sais que c'est difficile. Allez, faut sortir de là, nettoie le terrain, cherche la sortie de secours, une porte, aïe, 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 la pression, ça se boit, il faut pas la subir. Allez, va chercher les combinaisons possibles. Ah, ça cherche bien, boule arc-en-ciel utilisée de façon pas appropriée, je trouve, Imura. Donc je rappelle la boule arc-en-ciel, c'est un bonus qui te sert à effacer les couleurs qu'on a décidé de choisir. Allez, ça reste avantage de tas pour Imura, il est à 100 contre 113. Ah là là, ça lâche rien Imura, il est là, il traite le dossier, hein. Là il dit tiens-toi, tu dois les impôts, c'est le moment de régler les comptes là. Il faut chercher, c'est encore possible de remonter dans ce jeu. Allez Wonder, te laisse pas faire. Imura continue de dérouler en effaçant ce qu'on appelle en mode escalier. L'attaque de Empress du côté intérieur. Aïe 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 aïe. Et c'est terminé. Merci Wonder pour ta participation. Bravo Imura. Allez, vas-y, calme-toi. Tu fais pas semblant, toi. Tu fais pas semblant. Calme-toi, il est où ton adversaire? C'est rien, il est bon. Ready? Go! Ok. Donc là, c'est quoi? C'est final demi, pardon. Et l'autre, il y a déjà eu l'autre demi-finale. Vas-y, bah tuez-vous pour qu'on puisse. Ouais, mais là, c'est l'autre demi-finale. Donc c'est l'autre demi-finale de l'autre demi-finale. Ok, d'accord. Bon. Est-ce que c'est parti? Alors attends, parce que Bali, il est quel côté là déjà? Ah d'accord, donc Bali est à gauche. Et Funky est à droite, très bien. Ok. Donc, on est parti, c'est FT2. Hein. Imura, tu me confirmes bien, FT2. Hein. Donc on est parti, magicien, hein, pour commencer. Le match-up classique en miroir, bien entendu. Comme ça, il n'y a pas d'embrouille. Et donc Balier là qui se trouve à votre gauche avec le magicien rouge contre Funky Child. Non? Si c'est ça?
Ah oui, pardon, le magicien rouge chez Balier, c'est ce que je dis. C'est ce que j'ai dit. La régie me fait des pattes le gain là, en mode club de Dorothée 87. On relance le générique. Et donc là, pour l'instant, Balier, il arrive à dérouler, à vraiment voir les patterns de renvoi en fait de magiciens qui sont surtout des gros blocs de couleurs assez bien formées. Vous voyez, ça fait des lignes, il faut essayer de les décaler. Et après, en fait, il redécale d'une ligne toute la descente, ce qui fait que ça casse son propre schéma. Donc il faut le choper un peu direct dès que ça pop, enfin dès que ça commence à descendre. Là pour l'instant, un gros avantage au quota. Il s'est même permis de faire une multi-chain alors qu'en vrai il aurait pu juste laisser 3 boules péter. Ready, go. Et donc là on enchaîne la Balier là, voilà, qui fait descendre. Alors Funky qui descend plus pour essayer de jouer le cristal. Balier va quand même le jouer ce cristal en descendant pour optimiser vraiment le nombre de boules détruites. Et là on sait pas. Funky était sûrement en train de prendre une photo au photomaton. Il a pas regardé l'écran une seconde, il est décédé. C'est ça aussi Magical Rope, hein, ça peut aller très très vite. Alors là, Balier qui a eu droit à enlever toute la couleur verte là, ou jaune. Je crois que c'est jaune, c'est ça. Putain, j'ai même pas le temps de commenter, les gars. Pourquoi vous voulez commenter ça en vrai? Je commence, c'est fini. On dirait une partie sur n'importe quel jeu Nintendo quand t'avais 5 ans. Ça va en presse, ça va pas en presse. Ça pique magicien, ça veut repique magicien. Et là, attention, hein, parce que Funky, faut qu'il donne tout. Il avait le boulevard offert pour arriver en cette demi-finale, qu'il prouve à ses enfants et petits-enfants et arrière-petits-enfants, parce que cet homme a au moins un certain âge, qu'il est capable de gagner au moins une fois dans sa vie. Mais là, pour l'instant, c'est compliqué et il reste plus que 2 rounds pour ne pas partir banqueroute. Comme cette émission avec De Chavannes sur TF1. Grosse émission. Là, attention, parce que là ça a un peu déblayé là côté Funky. Il faut faire attention sur le côté parce que là ça prend la sauce, ça prend l'eau, ça défend. Les cristaux, les glaçons qui tuent. Et les glaçons qui tuent. Et déjà balle de match hein, pour Balier. Qui clairement, on va pas se mentir, n'a pas du tout été inquiété lors de cet affrontement. J'irais même que. On dirait un grand frère qui est en train de racketter son petit frère à la sortie du collège. Il vient de lui voler les derniers Papy Brossard. Et feu qu'il aimait ses Papy Brossard, Funky Child. Donc ce serait peut-être bien qu'il step up un peu son niveau de jeu. Là il a de l'espace. Là il peut faire des choses. Maintenant faut tuer le Balier qui n'est bien sûr pas du tout en danger. Hein, mais on va dire que Balier là s'est étendu, voilà, quasiment égalité au quota. Là 90, 74, ça descend. Ils sont toujours un peu serrés. Voilà, Balier qui vient de repasser devant au quota. On dirait vraiment là qu'il joue tranquillement avec la nourriture. Hein. Bien entendu, hein, 5 fruits et légumes par jour. Tu connais. Là, il va tenter voilà, d'éclater les verres. Peut-être ça va faire une petite réaction en chaîne. Est-ce que ça tue? Ça tue au quota. Et bien joué, Balier qui remporte sa place pour aller en finale contre Imura. Hein? C'était pas la finale là? Non? Non, c'était pas la finale. Hein. Ah, c'était pas la finale. Donc, Imura contre Balier. Il n'y a pas de reset bracket, vous inquiétez pas. Ça ira vite, dans un sens comme dans l'autre. Wonder, t'as perdu combien contre Imura? Ready? C'est bien. J'aurais pas fait mieux. Et donc là, on est parti, les gars, c'est parti. La grande finale de Magical Rock 3. Est-ce que Balier va-t-il repartir enfin avec un trophée HFS à la maison? Ou est-ce que Imura, l'inconnu au bataillon, mais le mec qui est là sur les photos depuis le HFS 1, va-t-il lui repartir avec le sel martiniquais? Je ne sais plus s'il vient de la Martinique, mais voilà, dans ma tête il est martiniquais. Et donc là on est parti parce que déjà premier round hein, pour Balier qui est clairement sur sa vitesse de croisière. Bien entendu, Magical Rope c'est un jeu qui se joue vite, mais pas que.
Hein, y a vraiment des vrais schémas de destruction, de construction. Et là, pour l'instant, Bali là, qui doit gérer un peu les deux cristaux là, les deux cristaux devant. C'est compliqué. C'est géré. Attention, là, là, ça joue très très haut, très serré. Où il a fait la technique de la moulinette inversée. Voilà, il a vraiment fait rouler ses petits doigts boudinés sur le stick. Il a réussi à défendre une première ligne, mais la deuxième, Imura a réussi à appuyer sa boots 44 sur le visage de son personnage et remporter là ce deuxième round. Mais là, c'est tendu parce que là, Balier qui a un peu déblayé, il va pouvoir réussir à gérer l'arrivée des gros patterns de Magician. Et voilà, tranquillement. Tranquillement. On voit hein, tout de suite hein, qu'il y en a un, il a son écran, il est clean. Et l'autre, il est en train de se battre avec la descente de l'écran. C'est très compliqué, mais là, attention, Christo qui est pété. On élimine les bleus côté Balier, ça nettoie un peu. Mais attention, le pic. Le pic avec les deux petits glaçons malicieux qui, des fois, peuvent clairement vous casser les couilles, hein, on va pas se mentir. Mais là, pour l'instant, c'est un peu géré. Voilà, au centre, côté Balier, là, ça arrive à peu près à diminuer. Mais là, par contre, attention, ça descend. Ça descend encore. Ça descend encore. Imura qui commence à struggle un peu. Il sait plus, rouge, noir. Mais y a-t-il encore de l'espoir? Comme disait un grand chanteur polonais. Et là, voilà, premier match remporté par Balier. Que va counterpick Imura? Il ne sait pas. Est-ce que c'est un homme avec des grosses couronnes et il va counterpick full? Non. Il va counterpick death. Alors j'ai oublié légèrement le pattern de Death, mais donc on va le redécouvrir hein, tous ensemble dans la joie et la bonne humeur, telle l'émission du dimanche après-midi avec Pierre Perret pour ceux qui ont la ref. Là, attention parce que là voilà, Imura là qui a un peu mieux commencé. Il a réussi à nettoyer un peu d'espace que voilà côté Balier, là on voit ça prend l'autre côté. Voilà, par contre l'écran, il a descendu d'une traite, il a dit j'ai pas le temps. J'ai pas le temps avec ces conneries. En plus, le mec, il dit que je suis martiniquais, alors qu'en fait, je suis réunionnais. Donc, voilà, il veut nettoyer ce blasphème. Et là, c'est tendu parce que là, le côté Aimura, côté droit, attention, ça nettoie bien là avec le cristal, je crois, qui a été trouvé. 2, 3. Oh là, attention, c'est très. Oh, il a bien réussi à trouver le cristal, la balier, pour pouvoir nettoyer tous les cristaux qui étaient à l'écran. Vous voyez, il y en a encore derrière. Et ça, c'est vraiment l'horreur. Les cristaux, voilà, bien encore. Il a ouvert son karma, ouvert ses chakras pour réussir à nettoyer ça. Et là, avantage. Et la balle de match. Est-ce que Balier va repartir avec l'honneur et la fierté d'Imura? Vous allez le savoir peut-être à la fin de cette manche. Parce que là, c'est tendu. Là, les deux qui arrivent à nettoyer à peu près pareil. Là, voilà, vous voyez, il faut réussir après à réussir à gérer la descente de l'écran, parce que ça vous pouvez pas l'empêcher. Il faut juste réussir à la stopper en essayant de péter un 3-hit. Voilà, on revient, Imura qui revient. Et j'ai même pas le temps d'expliquer les mécaniques de Magical Drop. Il casse les couilles, mais c'est pas grave. Au moins il y a du jeu et c'est énervé. Attention, là on voit, il y a deux choix qui ont été faits. Badier qui a voulu garder son cristal pour essayer peut-être de contrer défensivement. Et là vous voyez hein, même les cristaux, même quand ils sont pas bien placés, c'est un peu fouillis, faut voir le pattern. Et là Imura attention. Est-ce que ça va être la fin? Oh là là, il trouve un jet du dernier espoir. Peut-être c'est Athéna qui est revenue d'un épisode du Chevalier de Zodiac pour lui donner la force. S'il te plaît, Chevalier Imura, vas-tu t'en sortir, s'il te plaît? Je te donne la force. Mais bien entendu, elle n'est jamais venue au combat et c'est terminé. Bien joué, Balier, qui remporte ce tournoi Magical Drop. Et voilà,